Pero esta es la octava edición de los cursos de civilización africana. Parece mentira, empezamos, parece el otro día, ¿no, Juan? Y ya van, llevamos 8 años, ¿no? Y ojalá podamos seguir muchos más porque creo que es fundamental para nosotros enriquecernos con todo el conocimiento de los especialistas de nuestro continente también. Bien, hoy tenemos a Asif Fall. Muchas gracias, Asif. Thank you for coming. Merci beaucoup. Y bueno, les dejaré con Juan, que es el que les va a hacer la introducción a este, lo llamamos curso, en realidad son 3 conferencias magistrales, ¿no? De 3 personajes fundamentales, politólogos, etcétera, en el análisis de la situación actual en el continente africano. Y nada más, espero que disfruten, que se animen como en otras ocasiones a intervenir y les paso con Juan. Vale, gracias, Juan. Gracias, Orlando. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Realmente, como siempre, es un placer contar con vosotros y con vosotras en este curso. También quiero agradecer a todo el equipo del CAN, a Orlando y a todo el equipo del CAN que nos apoya constantemente en esta iniciativa, al Cabildo, a los ponentes, por supuesto, a los que hacen un esfuerzo verdaderamente tremendo de viaje y de desplazamiento. Y para podernos informar y comunicar, etcétera, conocimiento, transmitir conocimiento, ¿no? Y como digo, sobre todo a vosotros y a vosotras que dais sentido a esta jornada. ¿Por qué el título este año de Golpe de Estado y Segunda Liberación de África, Panafricanismo hoy, una nueva política de África para África? Bueno, la idea me vino un poco cuando empezaron los golpes de Estado en países como Níger, Burkina Faso y Mali, y esa alianza de Estados del Sahel, y un poco, efectivamente, fueron un golpe de Estado que despertaron una cierta expectativa, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, el caso, no es comparable, evidentemente, pero bueno, es para un poco decir que hay golpes de Estado y golpes de Estado, es decir, todos recordamos la revolución de Sankara en el año 84 del siglo pasado, que evidentemente eran militares y que eran capitanes que dieron un golpe de Estado en Burkina, y hubo una experiencia revolucionaria que fue la más importante que ha habido y la última en el continente, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero hubo un despertar de expectativas a través de estos golpes, sobre todo por lo que tuvo de rechazo a la presencia francesa y americana, fueron expulsadas las tropas de esos países y la recuperación o el intento de la recuperación de una soberanía. Pero claro, esa soberanía realmente no es posible en un solo país, en 3 países, en 2 países, sino en un continente unido. Es decir, entonces de ahí viene un poco el sentido del título también y el eje central de lo que pretendemos mostrar en estos días, que es el panafricanismo, ¿no? Por otra parte, es curioso también, yo quiero comentar muy rápidamente, que hay una deuda impagable por parte de la humanidad con lo que ha sido, bueno, pues sobre todo la humanidad occidental, europea, etcétera, lo que ha sido, que coincide con el periodo del capitalismo, ¿no? En general, pues la esclavitud, la trata atlántica, el colonialismo y el neocolonialismo. Es completamente impagable, pero comento que de alguna manera es paradójico también que América, que fue el continente a partir del cual se expolió África durante esos siglos, en todo el tema de las plantaciones, etcétera, bueno, pues es desde América desde donde vuelve esas alternativas panafricanas, son los hijos e hijas de la diáspora, intelectuales, historiadores, poetas, que desde los años 30 del siglo XX y ya más en profundidad, más elaborado, en los años de la lucha en contra de la segregación racial en Estados Unidos, que coinciden con los años después de las primeras independencias africanas. Sucede que efectivamente desde Estados Unidos, la población negroafricana, hija de la diáspora, hija de la esclavitud, se da cuenta de que no es posible conseguir una liberación de lo que es la segregación en Estados Unidos y lo que es ese tremendo rechazo que existió hacia la población negra mientras África no estuviera también liberada, ¿no? Y de ahí surgen esas ideas panafricanas y esa paradoja de que para mí es que América de alguna manera intenta devolver algo del crimen, ¿no? Algo del crimen. Entonces, bueno, hubo unas primeras independencias en su momento, fallidas, como se ha demostrado en el tiempo, una gran frustración, y hace un tiempo que se está hablando ya de la segunda liberación de África. Y es ahí donde aparece una actualización de las teorías panafricanas, en esa necesidad de que para un África más fuerte, con más presencia en el mundo, necesita
realmente una unidad, con toda la complejidad que eso tiene, ¿no? Y de eso es lo que hemos querido intentar, bueno, pues traer a personas que son líderes y son tanto teóricos como activistas y militantes del panafricanismo, y son los que nos van a acompañar estos días. Hoy está con nosotros Aziz Fall, que es de origen senegalés y egipcio, es politólogo, profesor de Ciencias Políticas, Antropología, Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional en la Universidad, en la UCAM, Universidad de Quebec, y en la Universidad McGill, ambas en Montreal, cineasta, asesor militante panafricanista y miembro de GRILA, Grupo de Investigación y de Iniciativa por la Liberación de África, desde el que ha coordinado la campaña internacional Justicia para Sankara. Presidente del Centro Internacionalista CIRFA, Centro Internacional Grierson Foundation Oban, miembro del Foro del Tercer Mundo y del Secretariado Ejecutivo Ad-Hoc de la Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos. Aziz, bueno, te dejo la palabra, eres tú quien nos tiene que ilustrar hoy, así que simplemente te presento y te dejo a ti que hables. Merci beaucoup, je suis désolé de pouvoir vous parler en espagnol, mais je vais essayer quand même pour aider nos camarades dans la régie de parler lentement et pas trop fort. Je vais d'abord dédier cette conférence à mon camarade Antonio Lozano, qui sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, qui nous a quittés et qui nous manque beaucoup. Et j'aimerais aussi dédier cette conférence à Doumbi Fakoli, qui est un panafricain traditionnaliste, qui est décédé aussi la semaine dernière, et qui ont tous les deux rejoint nos ancêtres. Je crois que c'est un peu fort, si c'est possible de baisser un peu pour vous. Est-ce que vous m'entendez quand même? Ça va? Je suis venu à Puerto de la Cruz en 1977, ça commence à faire longtemps. Et à cette époque-là, il y avait un mouvement indépendantiste des Canaries qui voulait une république africaine des Canaries et qui était très sympathique aussi à la cause sahraoui. Cette question, elle est aujourd'hui sensible parce que l'Afrique est un continent complexe et je salue la semaine dernière la rétrocession des îles Chagos, les îles Chagos de l'île Maurice, qui, après toutes ces années, ont été rétrocédées à ce pays-là, malheureusement, avec la condition de garder la base de Diego Garcia et sans la possibilité pour les Chagossiens de retourner dans leur île. Donc c'est des bonnes nouvelles, mais ça montre un peu la situation dans laquelle l'Afrique est intégrée. L'Afrique est mal intégrée, elle n'est pas marginalisée. Elle est intégrée dans la mondialisation, mais négativement. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est cette mondialisation dans la durée. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est ce que les géopoliticiens appellent la géopolitique du chaos. Donc, une sorte de destruction créatrice. Et le Sahel, qui est cette zone très stratégique, qui s'étend en fait jusqu'à l'Orient, il faut la comprendre dans la mondialisation. Et ma première partie, je vais l'expliquer en termes de mondialisation pour que tout le monde le comprenne. La mondialisation, ce n'est pas ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. Ça, c'est ce que les anglophones appelaient globalisation, c'est-à-dire la financiarisation du capital. La mondialisation, c'est le processus par lequel l'humanisation se fait et les réseaux de transactions humaines se font. Et cette mondialisation, c'est l'Afrique qui l'a commencé. Elle l'a commencé de façon involontaire par des migrations de population. Ces migrations de population ont fait que l'Europe entière était peuplée d'Africains. Il n'y avait pas de locoderme.
Et donc les problèmes de l'immigration que vous avez aujourd'hui ne se posaient pas. Il n'y a eu qu'une seule hominisation à cette période-là. Elle était faite de mélanodermes capables d'avoir, comme le dit la loi de Gogler, une couche de mélanine pour pouvoir survivre aux ultraviolets. Et par sélection et adaptation, cette humanité négroïde africaine va muter et va donner ce qu'on va appeler les races, mais en fait il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Et elle va peupler ces espaces en différentes vagues successives. On a retrouvé pas très loin de chez vous, par exemple à Atapuerca, des restes d'hominidés. Donc ce processus d'hominisation participe des premières phases de migration qui participent elles-mêmes à la mondialisation. La seconde phase, qui est beaucoup plus intéressante, mais qui est cachée lorsqu'on ne comprend pas dans les termes non eurocentriques, et ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est une conception non eurocentrique du monde. Dans cette deuxième conception non eurocentrique du monde, il y a des processus de civilisation qui se mettent en place. Dans ces processus de civilisation, l'histoire récente, c'est-à-dire des 4-5 derniers siècles, ont effacé le legs africain. C'est-à-dire qu'il y a une amnésie en Afrique elle-même qui ne connaît pas sa propre histoire, et il y a surtout en Occident un effacement de la contribution de l'espace qui est l'espace antique africain. Dans cet espace antique africain, vous avez la construction des épistémées scientifiques de la modernité. C'est-à-dire tout ce que vous avez aujourd'hui en astronomie, en algèbre, en architecture, en géométrie, en agriculture, en économie, la fabrication de la bière au parfum, du verre, existait déjà il y a 7000 ans. Les savants grecs qui sont venus y étudier y ont pris l'essentiel de leur savoir. Certains l'ont reconnu et d'autres l'ont effacé. Si vous regardez sur une table chirurgicale aujourd'hui, vous verrez qu'une grande partie des instruments chirurgicaux existaient dans l'obsidienne qui était déjà faite dans cette période antique. Mais les épistémées africaines ne sont pas séparées de la métaphysique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence entre la connaissance et la croyance, elles sont mêlées. Et à cause de ça, la connaissance africaine n'a pas été reconnue plus tard comme étant de véritables connaissances, même si, au niveau des prouesses scientifiques et de la connaissance, elles étaient véritables. Donc, ces Égyptiens antiques, ces Nubiens, ces Aksumites, sont au cœur de l'avènement des premières formes de religion. C'est un pharaon qui s'appelle Amenophis IV, Akhenaton, que des juifs noirs, qu'on appelle les Yahoud, les peuples de la tourbe, et les Apirou, ont vénéré comme étant leur prophète. Et ils l'ont appelé Ibrahim, ça veut dire le cœur de Ra est en lui. Et c'est lui Abraham. Ces juifs qui étaient noirs vont exister jusqu'au Falacha que vous avez aujourd'hui. Ce sont les premiers juifs. Ils vont se mêler aux autres d'origine sémite qui sont les séfarades et plus tard ceux qui seront les juifs occidentaux, les Ashkénazes. Ces premières religions vont exister dans une longue période jusqu'à la sortie de Moïse. Et donc c'est important que les religions révélées ont une origine africaine et qu'elles vont elles aussi évoluer par des apports syncrétiques de l'Orient, l'Orient lointain, la Chine, la Perse, les Hittites, les Assyriens, etc., et fusionner et donner les premières chrétientés qui sont est-africaines et orientales. Comme vous le savez, Jésus lui-même n'était pas chrétien, c'est en fait les Grecs et les Romains qui créent le christianisme. Donc ce sont ces épistémées religieuses et scientifiques qui vont arriver dans l'espace africain dans les périodes dites médiévales. Dans la période médiévale, la zone qui nous intéresse, c'est la zone de Ghana. C'est un empire immense qui a la taille de l'Europe et qui est basé sur l'or et l'organisation politique qui était basée sur un système matrilinéaire de succession royale avec
qu'une société inégalitaire en castes, mais très très sophistiquée, avec une armée de plus de 200 000 hommes et un réseau de transport transsaharien qui les mettait en lien avec l'Orient et la zone de Carthage. Les seuls qui connaissaient véritablement les transactions, sémites. Les peuples sémites, les Arabes comme les Juifs, ont apparu seulement il y a 5000 ans. Et ce sont ces peuples qui se sont établis dans le nord de l'Afrique, sous la forme amazigh. Et ces peuples-là vont connaître Ghana et permettre les transactions. Mais à l'époque de la magnificence de Ghana, ces peuples sont des vassaux de l'Empire du Ghana. Mais ils connaissent les sentiers de transactions aurifères, les transactions des captifs, du sel et des épices. Il y avait par exemple de la soie dans les cours de Ghana, la soie n'existe qu'en Chine. Ça montre que ces mondialisations de cette époque-là étaient déjà en lien. L'Europe ignorait tout de cet espace africain. Les Orientaux le savaient. C'est donc ces peuples-là qui vont être dans ces premières formes de mondialisation, c'est-à-dire des sociétés qui s'ignorent mais qui sont mises en rapport avec les porteurs, des aventuriers, des commerçants. Ce commerce transsaharien est très important dans la mondialisation de l'époque. Lorsque se met en place l'espace arabo-islamique, qui va être un espace qui va durer à peu près 7 siècles, de Bagdad jusqu'à Cordoue, c'est l'invasion du nord de l'Empire du Ghana et la prise de sa capitale, Kumbi Saleh, qui permet véritablement la puissance arabo-islamique de cette zone-là et qui permet aussi une grande partie de la colonisation du sud européen. Et c'est là que sont introduits les éléments qui permettent l'accélération de la mondialisation industrielle, c'est-à-dire l'astrolabe, la boussole, les grandes caravelles à trois mâts, la poudre à canon, la brique, le moulin à eau, le moulin à vent, tous ces éléments sont introduits en Europe et permettent les rudiments de l'industrialisation qui va venir avec les débuts du capitalisme entre Anvers, Amsterdam, etc. C'est une autre histoire, mais c'est important de l'expliquer dans la durée parce que c'est contre ces deux épistémées que l'Afrique se retrouve prise. Nous sommes des sociétés animistes, c'est-à-dire l'animisme, c'est un peu un autre mot pour l'écologie. Ces sociétés-là étaient en symbiose avec leur environnement et croyaient à la force vitale, croyaient aux ancêtres et aux esprits, et étaient donc enfermées dans une métaphysique qui avait bien sûr une idée de divinité, mais une multiplicité d'interventions de d'autres divinités. Ces épistémées se sont retrouvées donc confrontées à des épistémées qui se sont avérées plus puissantes sous la forme judéo-chrétienne, et l'Afrique va donc subir dans cette zone de contact sa première fusion sur la base syncrétique. Et donc l'islam va être un élément de raffinement, de savoir avec des grandes universités de Tombouctou et de Djéné sous l'empire qui va succéder, qui est l'empire du Mali. Et cet empire du Mali, lui aussi, était très grand, et une de ses grandes prouesses, ça a été par exemple l'expédition de Bakary II qui allait découvrir l'Amérique, chose dont on parle très peu, bien avant Christophe Colomb. Et la puissance de ces sociétés reprenait une bonne partie des éléments de système de caste et des plaisanteries de parenté qu'on appelle Sanankuya, qui sont des éléments qui permettent de faire accepter l'inacceptable, donc la hiérarchie sociale. Et il reprenait beaucoup des éléments de l'Empire du Ghana, mais cette fois-ci avec une islamisation. Donc ça commence avec Sundiata Keïta, Kankan Moussa qui va aller faire le pèlerinage à la Mecque et dont on dit que ce qu'il a apporté comme or a fait chuter les cours de l'or dans toutes les zones où il est passé pendant 7 à 10 ans. C'est pour vous dire la richesse que ces sociétés avaient et qu'elles ont toujours. Donc, c'est important d'expliquer cela pour expliquer d'abord de quoi on parle. Ces pays sont des pays où ce qu'on appelle Touareg sont en fait majoritairement noirs, ils ne sont pas que blancs.
ce qu'on appelle cette zone, il y a des Fulani, il y a des peuples du sud, soudano-sahélien, ils ont toujours vécu plus ou moins en harmonie et en symbiose. C'est cet espace qui va être découvert par les Portugais et les Espagnols. Et la découverte de l'Afrique et des Amériques est bien sûr le début de la catastrophe pour l'Afrique, puisque au joug arabo-islamique et esclavagiste, mais aussi des épistémies scientifiques, va venir la nécessité de mettre en valeur le continent américain. Vous savez, peut-être que le pape de l'époque a divisé le monde, c'était la bulle Intercetera et le traité de Tordesillas qui partageait le monde, l'Amérique aux Espagnols et l'Afrique aux Portugais. Et un peu plus tard, on va donner le Brésil aux Portugais qui protestaient parce qu'ils trouvaient que l'Afrique était trop petite, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas connu la taille de l'Afrique. Donc cette période ibérique, c'est la période de la pénétration. Et dans la zone où nous sommes ici, les grands seigneurs ibériques venaient chasser le bétail noir. Et donc même lorsque les premiers Portugais ramènent des captifs dans les cours, les seigneurs se moquaient d'eux parce qu'eux, ils chassaient ces hommes-là comme hobby. Va commencer la période de capture et de déportation du continent africain qui va durer plus de 3 siècles et qui participe au sous-développement de l'Afrique. Et donc l'Amérique va devenir la périphérie de l'Europe et l'Afrique va servir de mise en valeur du continent américain. Il a fallu les résistances des peuples africains dans les Caraïbes, en Jamaïque et surtout en Haïti pour que les Européens qui perdent ces territoires se retournent pour attaquer le continent africain, et ils vont le faire en pénétrant de plus en plus à l'intérieur du territoire. C'est comme ça que la mise en dépendance du continent africain va se faire sur une carte où on va diviser d'abord le Congo, la conférence de Berlin de 1884-85, et ensuite les ententes bilatérales entre les puissances européennes pour la colonisation. La colonisation, c'était l'objectif de s'approprier les territoires, parfois sous la forme de colonies de peuplement européens, mais la plupart du temps pour les matières premières, soit minières, soit agricoles. Et au début, c'était par le travail forcé, et ensuite, très rapidement, par la pénétration militaire, vont arriver les premiers tirailleurs, donc des soldats africains qui vont se joindre comme supplétifs des armées coloniales, et ensuite, par l'impôt, la taxe, le travail forcé va être remplacé, et on va commencer à la mise en valeur rapide du continent. Dans cette optique, la zone du Sahel va être une zone de matières premières, d'exportation de matières premières, l'arachide par exemple, la gomme, mais aussi l'or et les autres denrées, jusqu'au café, le cacao, etc. Cette spécialisation de l'Afrique va entraîner une mise en valeur accélérée, mais aussi une participation des forces africaines aux premières rivalités interimpérialistes sur le continent même, par des guerres de pacification jusqu'à Madagascar, mais aussi aux premières et aux deuxièmes guerres mondiales, où les tirailleurs sénégalais, comme on les appelait, qui étaient soudanais, voltaïques, nigériens, mais pas que sénégalais aussi, vont participer. Et à ce moment-là, avoir un éveil de leur culture politique, puisqu'ils vont se mêler au foisonnement politique des pays européens. J'insiste pour cette période pour rappeler qu'il y a déjà eu, donc dans la phase de la modernité de l'État, une tentative des pays africains de devenir autre chose que ce à quoi on les destinait. À l'exception de l'Éthiopie, tous nos pays étaient satellisés par leur puissance coloniale. À la perte de la Deuxième Guerre mondiale, les vainqueurs vont se diviser l'espace, et lorsqu'on arrive à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, il y a le congrès de Manchester, qui est un congrès panafricain, où les Africains reconnaissent leur droit à l'autodétermination. Mais le monde est en reconstruction et le monde est bipolaire. Et donc va se construire un discours non aligné, qui est consacré par la conférence de Bandung de 1955. Et dans cette conférence, les positions du RDA, qui est le Rassemblement démocratique africain, représenté par
des personnes qui viennent de la zone du Sahel étaient assez proches des revendications des peuples du Sud asiatique et africain qui voulaient un non-alignement, c'est-à-dire qui vous disaient on veut juste être souverain et ne pas participer au bloc de l'Ouest ou de l'Est. Ce test du non-alignement, il va se retrouver en 1956 en Égypte, dans l'affaire de Suez, qui va montrer que l'impérialisme ne voulait pas laisser la souveraineté aux pays africains. Mais c'était déjà trop tard. L'ONU s'est interposée et là va commencer un processus de négociation et de lutte de libération nationale. Dans la zone qui nous intéresse, les pays voulaient créer une seule grande confédération qui se serait appelée la Fédération du Mali, comme l'Empire du Mali. Mais les Français ne l'entendaient pas. Parce que d'une part, ils voulaient garder l'Algérie et ne voulaient pas accélérer le processus d'indépendance que les panafricains voulaient faire. Donc, on va diviser les Africains en deux camps, et là je simplifie. Il y a le groupe de Casablanca, qui on peut appeler les plus progressistes, qui avaient une perspective panafricaine, ou en tout cas une perspective anti-impérialiste et anti-néocoloniale. Et le groupe de Monrovia, qui était un groupe qui acceptait l'intégration avec le capitalisme et était prêt à accepter des micro-États. C'est ce groupe qui a gagné. Et donc, la Confédération du Mali va éclater dès le début dans son embryon, dans sa fédération entre le Sénégal et le Mali. Et le Mali s'est retrouvé enclavé. On va créer une sorte de référendum de cette période-là, juste un peu avant, 1957. Et dans ce référendum, un seul pays, la Guinée, avait voulu son indépendance. Les autres sont allés dans le processus d'intégration, dont le Sénégal et le Mali. La Guinée va se faire boycotter. Et l'aluminium de la Guinée sera boycotté dans tout l'Occident, à l'exception du Canada qui l'a acheté, notamment du Québec, où les alumineries vont pouvoir en profiter à un prix très très bas, en dessous de la valeur mondiale. C'est donc dans ces conditions que les indépendances se sont arrivées, c'est des indépendances négociées. Mis à part ceux qui ont lutté par les armes, comme l'Algérie ou la Guinée-Bissau, ou plus tard les pays de la ligne de front, tous les autres pays de cet espace sont rentrés dans ces indépendances négociées, en rang dispersé, dans ce qui va être donc un dispositif néocolonial. Dans un dispositif néocolonial, vous acceptez la division internationale du travail, et les élites au pouvoir acceptent leurs conditions de subordination dans l'ordre mondial. Ça veut dire que le terme qu'on utilise, qui n'est peut-être pas très joli, c'est le terme de comprador. C'est-à-dire qu'ils acceptent leurs conditions subalternes à condition de garder leurs privilèges dans la hiérarchie du capitalisme. Et donc, à ce moment-là, ces types de pouvoirs sont extrêmement fragiles et sujets aux coups d'État fréquents. Et donc, il va y avoir plusieurs coups d'État dans la sous-région. Lorsque on arrive dans cette période de la période des années 80, tous ces pays vont être extrêmement endettés parce que le colon est parti sans véritablement laisser des conditions de développement. Donc, ces pays ont dû emprunter pour leurs hôpitaux, leurs universités, leurs infrastructures. Et aussi, il y a eu de la corruption et de l'enrichissement illicite. Donc, lorsqu'on arrive au début des années 80, quand le Mexique est en crise de cessation de paiement, les pays africains aussi sont endettés et donc ils sont soumis à des mesures de libéralisation et d'ajustement structurel qu'on avait commencé au Chili sous Pinochet et qu'on va mettre en pratique dans les pays africains. Et là, on va avoir une accélération de la désétatisation, c'est-à-dire on va dénationaliser. Ça va aggraver la condition du travail des plus jeunes. On va commencer à avoir un mouvement massif de migration puisque l'État n'est plus capable de gérer. Et donc, ce moment, il est très important à comprendre dans la mondialisation parce que jusqu'à tard dans les années 80, il y a deux phénomènes qui arrivent dans la région. Le premier, c'est la révolution sankariste. Thomas Sankara prend le pouvoir en 1984 et il essaye de faire un développement autocentré contre le néocolonialisme. C'est une expérience extraordinaire, féministe, écologiste, qui dérangeait complètement la sous-région
et que le néocolonialisme va abattre, et Thomas Sankara va être assassiné avec 12 de ses camarades, et on va dire qu'il est mort de mort naturelle. Notre groupe va lutter pendant 25 ans avec une vingtaine d'avocats pour justement faire reconnaître ses droits. Cette période des années 80, c'est aussi la période où le dispositif de l'OTAN va soutenir les talibans en Afghanistan pour faire tomber l'Union soviétique. Et ça, ça va porter fruit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'instrumentalisation de l'islamisme n'est pas seulement en Afghanistan, je fais une petite digression. L'islamisme a toujours été utilisé par les forces britanniques pour défaire la structure nationaliste ou socialiste des régimes arabes. Et ça va se faire notamment en Égypte et au Soudan et ailleurs. L'impérialisme sachant pertinemment que ces islamistes ont en horreur les personnes qui sont athées, qui sont socialistes ou nationalistes. Et gardez ça à l'esprit parce que ça va revenir plus tard. Donc l'idée de défaire le soviétisme par l'Afghanistan va réussir. Et du fait de ces contradictions internes, l'Union soviétique va imploser. Et en implosant, avec plus tard la glasnost et la perestroïka, il va y avoir en fait la période unipolaire, puisque la bipolarisation avait disparu. Donc la première étape, ça a été la phagocytose de l'Europe de l'Est, et la deuxième, ça a été l'accélération de la mondialisation pour le contrôle de l'Afrique, et cette fois-ci, un contrôle rapide qui veut l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources. On va donc assister à une trentaine d'années assez paradoxale de dépolitisation, une période de dénationalisation, de libéralisation, avec la réfection des codes miniers de l'industrie extractive et l'ouverture des marchés, ce qui a aussi permis l'arrivée de capitaux chinois, mais aussi de d'autres capitaux de pays du Sud comme l'Inde ou la Turquie. Cette ouverture, qui était voulue par le capitalisme, était basée sur l'idée que l'unipolarité mondiale était advenue, c'est-à-dire qu'on était dans la fin de l'histoire, du moins c'est ce que certains des stratèges américains croyaient. Et cette période, qui a été relativement longue, mais au fond courte dans l'histoire, va accélérer les contradictions dans la sous-région. Puisqu'elle va accélérer la succession des coups d'État, mais elle va aussi permettre de mettre l'Afrique devant ses contradictions. Je fais un petit retour en arrière. Lorsque le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia sont obligés de se battre sur qu'est-ce qui va arriver en Afrique, on met sur pied une organisation qui s'appelle l'Organisation de l'Unité Africaine, dont le principe est l'intangibilité des frontières. Et donc toute perspective de panafricanisme était institutionnelle, mais pas réelle. Donc cette organisation n'est jamais arrivée au bout de ses politiques. Nous avions des grands plans de développement comme le plan de Lagos. Nos relations avec l'Europe sous les traités ACP sont inégalitaires en faveur de l'Europe. Et donc l'Afrique n'avait jamais ni de plan continental, ni d'organisation capable ni de régler de conflits, ni de vraiment favoriser son développement. Donc il fallait saborder cette organisation. C'est là que, parce qu'il avait réussi à préserver son pays de la dette, à la différence de tous les pays africains, la Jamaïra de Kadhafi arrive comme sauveur de ce projet panafricain. Elle va financer le système satellitaire pour permettre aux Africains d'avoir les téléphones cellulaires, etc. et va proposer une intégration accélérée pour créer une nouvelle organisation qui serait l'Union africaine. À ce moment, Kadhafi, qui jusqu'à un passé récent voulait être un peu le nouveau Nasser des peuples arabes, s'est rendu compte que sa solution pour la Palestine, qu'il appelait Israël-Tin, n'était pas acceptée par les Arabes. On ne voulait pas lui donner le rôle de Nasser. Et donc, il a commencé à se constituer une position panafricaine, accueillant chez lui des leaders résistants africains et d'autres ressortissants africains qui jouissaient de l'abondance de la Libye.
Et il va renoncer à son bras de fer avec l'Europe, puisqu'il était allé jusqu'au terrorisme contre l'Europe. Il va faire l'erreur stratégique de mêler les capitaux libyens avec les capitaux du bloc capitaliste occidental. Et en même temps, il va financer massivement le projet d'intégration africaine. C'est ce moment qui est à la fois complexe, qui est ce moment où les forces de l'OTAN comprennent que l'islamisme peut être utilisé pour obtenir plusieurs éléments. Le premier, c'est que le mode de production capitaliste que la Banque mondiale et le Fonds monétaire et les pays de l'OCDE ont fait pour tenir l'économie africaine était en train de s'épuiser. Le taux de croissance des pays africains était même supérieur aux pays occidentaux. Et la Chine offre des éléments de coopération supérieurs à ceux des pays de l'OCDE. N'oubliez pas que l'aide publique au développement de 0,7% qui a été demandée en 1969 par les Canadiens n'a jamais été atteint dans la plupart des pays occidentaux. Dans la plupart des pays occidentaux, cette aide publique n'atteint pas le 0,7%. Donc, contrairement à ce que vos contrées et populations croient, l'aide servait stratégiquement les intérêts des pays occidentaux et quelques dirigeants africains et quelques ONG qui parasitaient ces systèmes. Donc, le peu qui tenait, c'est-à-dire cette coopération internationale, était moins intéressante pour les pays du Sud et surtout les pays africains qui commençaient à voir qu'il peut y avoir d'autres partenariats. Donc, économiquement, les pays du bloc de l'Ouest et de l'OTAN ont compris qu'ils ne pouvaient plus garder l'Afrique. La seule façon de garder leur position de parrain, c'était géopolitiquement et stratégiquement. Et là, il fallait qu'il y ait un conflit dont les Africains ne pourraient pas se sortir et qui les rendrait indispensables. Et c'est comme ça que l'AFRICOM et le président Sarkozy vont mettre sur pied la destruction du dispositif de Kadhafi. Alors, ceci est raconté dans un film très long qui s'appelle AFRICOM Go Home, base étrangère hors d'Afrique, qui fait partie d'une campagne que nous avons menée avec 50 éminents professeurs et collègues d'Allemagne et 50 d'Afrique pour démanteler la base de l'AFRICOM à Stuttgart en Allemagne, qui est la base militaire qui supervise cette géopolitique du chaos et la lutte sécuritaire. Lorsque nous l'avions commencé, cette campagne, les Africains étaient relativement incrédules. Petit à petit, on a commencé à expliquer ces choses et dans ce film, on explique l'essentiel du conflit. J'aimerais jouer 5 minutes de ce film, si c'est possible, avec la régie. Je ne sais pas si j'ai juste à presser le bouton ou si... je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que je peux ? Je crois que oui. Alors, c'est censé jouer ici. Voilà. Ok. Je pense qu'il faut qu'on shift l'écran pour passer de la régie. Ça, c'est l'écran de la régie. Et voilà, c'est ça. Merci. Alors, le son n'est pas très bon, mais on va... de quelques pays européens, notamment la France, de s'accoquiner avec quelques principautés pétromonarchiques, notamment celle du Qatar, pour détruire la base de la Libye. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie de Kadhafi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Kadhafi, à un moment, est venu jouer contre le jeu des puissances, tout en s'alliant avec eux. Kadhafi va marcher dans la règle sécuritaire, c'est-à-dire en luttant contre le terrorisme avec les puissances occidentales, en renonçant lui-même à ses visées à caractère terroriste, va financer massivement l'Union africaine pour permettre une monnaie africaine, l'accès au système satellitaire et surtout une intégration accélérée du continent, et sera assassiné par ceux-là avec lesquels il s'était.
dès hier, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et les pays arabes ont adressé au colonel Kadhafi et aux forces qu'il emploie l'avertissement suivant. En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. Cet avertissement a été repris par tous les participants au sommet qui vient de s'achever. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Les peuples arabes ont choisi de se libérer de la servitude dans laquelle ils se sentaient depuis trop longtemps enfermés. Ces révolutions ont fait naître une immense espérance dans le cœur de tous ceux qui partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Mais elles ne sont pas sans risque. L'avenir de ces peuples arabes leur appartient. Le président Sarkozy, à cette époque, avait non seulement armé une partie des intégristes en Syrie et en Haïti, mais beaucoup plus gravement, une partie de ces armes va être aussi secondée par d'autres armes fournies à des éléments touareg, fidèles à une stratégie qui date de l'époque de De Gaulle et de Messner, de créer un État de type Amazir dans l'espace entre l'Algérie aujourd'hui et le Mali. Cet échec de cet État avait été, malgré les efforts de Houphouët-Boigny à l'époque et de quelques Africains français de le faire créer, repris dans l'initiative de Sarkozy. C'est grâce à la Mauritanie de Abdelaziz qu'on va introduire et soutenir certains éléments dissidents au Mali. Bien sûr, il faut blâmer les autorités maliennes par certains comportements de gestion prémandienne, mais ils ne sont pas les seuls. Tous les pays sous ajustement structurel vont être conditionnés à fonctionner de la sorte. Donc Toumani Touré a non seulement fonctionné dans les manœuvres militaires avec l'OTAN, mais beaucoup plus gravement, lorsque son pays va être occupé, suivant l'invasion qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il va y avoir un embargo après le coup d'état militaire qui arrive donc en fin de son mandat, et là je passe très vite, mais en période de questions, on pourra revenir là-dessus, et les armes qu'il avait demandées pour se défendre, pour défendre sa souveraineté, seront bloquées dans l'embargo. Donc en fait, les Maliens n'ont jamais eu la capacité de se défendre contre ce qui était soutenu de l'extérieur et qui avait des motifs plus ou moins valables de demander la sécession. Tous les pays africains ont, de façon interne, du fait de la nature territoriale de nos pays, des problèmes d'irrédentisme tout à fait inhérents à nos pays, mais qui peuvent être facilement surmontés par une démarche panafricaine. Toujours est-il que le Mali s'est effondré en l'espace de quelques heures. Sa classe politique divisée, sa classe militaire divisée, et la France, qui a une dette vis-à-vis du Mali, parce qu'il ne faut pas oublier que les tirailleurs sénégalais sont principalement maliens, qui ont permis de pacifier, en guillemets, tout l'espace de l'Afrique jusqu'à Madagascar pour la France, qui vont soutenir la France dans les deux efforts de guerre, bien ces Maliens vont évidemment recevoir en héros les Français venir chasser leurs propres cafards, qui vont se disperser dans leurs montagnes et où on essaie de les débusquer. Ceci en fait a comme vocation, entre deux administrations, la question est de comprendre la nature des forces de type France-Afrique. Parce qu'il y a la France et il y a la France-Afrique. La France-Afrique, c'est en fait des intérêts militaro-stratégiques, économiques, liés à des firmes multinationales françaises, mais avec des antennes au Quai d'Orsay, à l'Élysée, à Matignon, avec des imbrications de type franc-maçon dans nos leaders politiques, autant en France qu'à Libreville, à Dakar ou à Niamey, et qui donc permettent la continuation réciproque de la France d'outre-mer et la France de l'Hexagone. Et donc, ce sont ces différentes Frances, celle de Sarkozy et celle de Hollande, qui ont lutté pour la prééminence d'un espace stratégique dans un moment où les pays de l'OTAN essayent de rattraper leur échec
bilatérale sur le continent africain face à la Chine, l'Inde et les autres puissances émergentes. Donc, ici, la réaction, c'est nous devons imposer dans le 21e siècle la prééminence de l'hégémonie des pays du bloc de l'Ouest dans l'espace africain pour que les Africains et toutes les autres puissances sachent que nous sommes d'abord les puissances qui gardons cette sécurité. Ok, alors c'est très compliqué et en même temps, je vais réexpliquer certaines des choses pour ceux qui comprennent. C'est une sorte de répétition de l'histoire. Il y a eu un coup d'État. Dans l'histoire du Mali, c'est pas la première fois qu'on demande aux bases françaises de partir. Lorsque le Mali est devenu un État après l'échec de la Fédération du Mali, le président Modibo Keïta a demandé aux bases françaises de partir. Ça lui a coûté sa vie et il y a eu un coup d'État. Lorsque ce film est fait, il y a aussi eu un coup d'État et un embargo de la CEDEAO. La différence entre ces militaires et les militaires de maintenant, c'est que ces militaires acceptaient encore la France-Afrique. Et la France-Afrique, qui n'est pas la France, c'est ce réseau de liens entre l'Élysée, Matignon, le Quai d'Orsay, les milieux d'affaires, les milieux militaires et les régimes africains. Mais façon aussi la franc-maçonnerie. Et c'est des réseaux extrêmement puissants qui empêchent autant la souveraineté que les droits de la personne, même en France. C'est ce système-là qui a gangréné la politique française de l'Afrique et qui sont en rivalité puisque chaque famille politique, qu'elle soit socialiste ou libérale, qui vient au pouvoir, a des ramifications dans cette France-Afrique. Donc lorsque les Maliens se soulèvent les premières fois et qu'il y a des coups d'État, lorsque les Maliens chassent le président Traoré, lorsque les Maliens ont vu Toumani Touré arriver au pouvoir, c'est toujours dans le dispositif néocolonial. Mais à partir du moment où, comme je l'ai expliqué, l'instrumentalisation du chaos djihadiste va se faire, là, on rentre dans une autre situation. Les militaires sont exposés à l'ampleur d'une crise avec des gens qui ont des armements supérieurs à leur propre armée, qu'ils ont pris des stocks de la Libye, qu'ils ont des financements qui viennent de façon occulte de puissances étrangères, et ils se rendent bien compte que ceux-là même qui les aident sont sous le modèle du pompier pyromane. Et il faut se débarrasser d'eux. Et donc, les trois régimes militaires vont se mettre ensemble et les pays de la CEDEAO, comme durant cette période du début des années 2010, vont évidemment condamner les coups d'État au niveau du droit international, des conventions de la CEDEAO, mais eux-mêmes savent qu'ils sont enfermés dans le dispositif néocolonial, alors que les pays de l'AES cherchent à se sortir du dispositif néocolonial. Donc, la stratégie des pays de l'OTAN a fonctionné jusqu'à ce que cette crise ait cette proportion. Et aujourd'hui, la France et les États-Unis ont été chassés et des opérateurs russes sont arrivés. Alors, une petite digression, parce que les Russes n'arrivent pas comme ça par hasard. Les Russes ont toujours fait partie des mouvements de libération. Que ce soit dans le cas de l'Algérie, des pays de la ligne de front, les Russes, dans nos luttes, on fait partie. L'apartheid ne serait pas tombé s'il n'y a pas eu l'opération Carlotta où les Cubains sont allés se battre en Angola contre l'armée sud-africaine et c'est grâce aux avions Antonov russes que les chars cubains ont pu défaire l'armée sud-africaine que soutenaient les États-Unis. Donc les Russes ont fait partie de la solution dans la libération du continent africain dans la période de la bipolarisation. Ils sont très différents des Russes aujourd'hui qui sont des Russes nationalistes, même de droite. Ce n'est pas le même régime. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une vague culturaliste. Il y a une vague culturaliste mondiale sur le mode populiste. En Occident, elle a la face hideuse du fascisme. Dans les pays d'Orient, elle a la face hideuse de l'islamisme.
Ces éléments sont utilisés par certains stratèges néocons américains qui ont compris à l'époque qu'il fallait s'allier avec ce bloc. Or, dans l'accélération de l'histoire, le populisme, il a une grande séduction. Et le terreau fertile du sous-développement dans ces pays du Sud, et surtout sahéliens, amène, avec l'obscurantisme politique, l'idée que on peut remplacer l'Occident, parce que l'Occident a perdu dans la mondialisation, et on peut revenir à ces ères d'antan, avec des grands khalifas, avec l'union de la Oumma islamique, et que l'État laïque moderne africain doit être dépassé. Ce discours a une grande séduction chez une certaine partie des Africains qui sont habités par le culturalisme. Il existe au Niger, il existe au Mali, il existe pratiquement partout où l'islam existe, mais il n'est pas majoritaire. Il s'agit d'une minorité. De même que le fascisme est une minorité en Europe, mais il progresse. Ce qui fait la progression des formes fascistes, c'est en fait le pourrissement du capitalisme. C'est le capitalisme, en fait, qui génère ces phénomènes de réponses islamistes, des réponses culturalistes de type fasciste, qui sont en fait alliés du grand capital contre les peuples. Et donc, le problème que nous avons actuellement, c'est que s'il n'y a pas une réponse internationaliste panafricaine, l'Afrique risque de se retrouver prise dans l'engrenage de cette mondialisation, non seulement qui veut l'Afrique sans les Africains, mais qui va même externaliser les problèmes. Je donne un exemple simple. Cette va se concrétiser dans un pays qui est très éloigné du Sahel, qui est la République centrafricaine. La République centrafricaine, sous Bozizé, a demandé à la place des Français qui avaient provoqué une crise, un peu comme celle qu'ils ont provoquée dans le Sahel, l'aide des Sud-Africains. Parce que les Sud-Africains, je le montre aussi dans ce film, ont sauvé le Congo de l'implosion au moment où un axe qui correspond à ce que j'ai expliqué un peu plus tôt, l'axe djihadiste, il y avait un autre axe dans l'Afrique des Grands Lacs qu'on appelait à l'époque l'axe Kigali-Kampala-Kinshasa et qui faisait partie de la politique américaine de contrôle du Congo. C'est les Sud-Africains, les Angolais, les Zimbabwéens qui ont sauvé ce pays de l'implosion. Donc les Centrafricains, quand ils se sont débarrassés des Français, ils se sont tournés vers les Sud-Africains pour les aider. Ça, ça n'a pas été du goût des Européens et du bloc de l'OTAN. Et c'est ça qui a amené les Russes, sous Touadéra, à intervenir en République centrafricaine. Et là, c'est un pays où il y a du diamant et ils sont payés en diamant. Le succès des Russes en République centrafricaine a donné des idées, non seulement à plusieurs des va-t-en-guerre, qui soient en Libye, au Soudan, mais aussi dans le Sahel, qu'il est possible de contracter des liens avec des supplétifs russes, Wagner, ou avec la Russie elle-même. Donc c'est le retour de la Russie qui, pendant toute la période de la bipolarisation, était encore là, mais dans la période unipolaire, avait disparu de l'Afrique. Donc la Russie revient et on se retrouve, comme je l'ai dit, pris dans un engrenage où le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui est un conflit lointain, commence à se sentir sur le pays africain. Pourquoi ? D'abord parce que l'Ukraine applaudit lorsque des Russes sont tués dans le Sahel, et comme ils sont tués par des djihadistes, les Maliens disent, ben alors, les Ukrainiens sont avec les djihadistes. Ça a amené une brouille et la rupture des relations entre le Mali et l'Ukraine. Mieux, il y a de plus en plus d'Africains qui sont en Russie, en Biélorussie, qui s'enrôlent dans l'armée russe, ou comme supplétifs. Ce sont ou des étudiants, ou des migrants, ou des gens qui sont appâtés par de l'argent qui est offert pour pouvoir combattre là-bas. Du fait que les Africains qui luttent contre le terrorisme disposent de drones russes, de drones turcs, et qu'ils arrivent à faire repousser les djihadistes dans les contreforts de l'Algérie et vers le Soudan, à ce moment, il y a des succès. Et donc, il se crée une guerre qui est une guerre par proxy contre la Russie, mais aussi en perspective contre la Chine, et qui se déroule sur le terrain africain même du Sahel, et dont les peuples sont victimes.
Donc il y a une sorte d'engrenage de complexité, puisque ces leaders-là sont obligés de tenir un discours populiste, mais ils sont aussi obligés d'avoir une posture panafricaine pour que les jeunes adhèrent à leur position, ce qui rend évidemment la situation complexe. Sont-ils véritablement des panafricains, ou bien sont-ils des leaders militaires qui vont être obligés de confisquer les droits politiques, y compris des forces progressistes, pour rester au pouvoir et s'éterniser au pouvoir et contracter des liens militaires avec une autre puissance? C'est là tout l'objet de l'équation. Et il est trop tôt et prématuré de donner un avis sur ce qui se passe en réalité. Mais une chose est sûre, c'est que ces régimes ne sont pas pour l'instant des régimes compradors. Ils ont fait des signes très clairs de rupture, mais la déconnexion qu'ils proposent ne peut pas être une déconnexion réelle, comme le montre Samir Amin, si elle n'est pas accompagnée de changement des rapports de production. C'est-à-dire qu'on discute le rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes sur l'accès aux décisions, sur l'accès aux possibilités et aux chances. S'il n'y a pas de réforme agraire, s'il n'y a pas une redistribution des rôles dans la société, s'il n'y a pas une nationalisation des ressources minières et s'il n'y a pas une véritable intégration économique, dont notamment la sortie du franc CFA et la construction d'une économie qui permette l'unité de ces pays-là. C'est à la faveur de ces véritables signaux qu'on va pouvoir vraiment apprécier la nature de ces régimes. Pour l'instant, il y a des situations ambiguës. Par exemple, on peut se poser la question, pourquoi dans un pays comme le Burkina, qui semble être en train d'imiter le modèle sankariste, il n'y a pas de relation entre ce régime et les sankaristes. Donc c'est quelque chose qui peut paraître curieux. Pourquoi les droits politiques et sociaux sont pour l'instant, au nom de l'effort de guerre, confisqués et gardés? C'est sûr que le fait de devoir se battre contre un ennemi diffus, caché et lâche, c'est quelque chose de très difficile. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe, mais c'est des jeunes qui arrivent en moto, qui ont une arme, qui sont dans un système où des délinquants se djihadisent et des djihadistes deviennent des délinquants, qui peuvent vivre de trafic en tout genre, c'est-à-dire la migration humaine, le trafic des biens, l'enlèvement, le kidnapping, le racket, les assassinats, et qui peuvent jouer double jeu selon qu'ils participent aux différentes sections dites sécessionnistes, nationalistes Touareg ou djihadistes et ou nationalistes Touareg, etc. Donc, la possibilité pour des jeunes d'avoir ces biens et cette puissance est très attractive pour beaucoup, surtout qu'on leur assure la possibilité d'une sorte d'impunité lorsqu'ils se retirent dans les territoires où ils se cachent. Dans la position des pays qui luttent contre ces gens-là, ce n'est pas une véritable guerre, c'est une guerre, en fait, contre le terrorisme, où il est difficile, véritablement, d'avoir les décomptes, combien de personnes sont mortes, combien de personnes sont déplacées, mais ces pays-là souffrent. Et donc, ces jeunesses se retrouvent dans des situations où on leur donne l'option entre l'exil, passer par le désert pour aller vers les archipels de prospérité, passer par la mer, là où les pirogues ne trouvent plus de poissons, mais permettre aux trafiquants d'immigration de pouvoir faire bénéficier à quelques gens de ce trafic. Donc, dans ces perspectives, les jeunes africains, qui sont quand même très nombreux, sont dans une situation d'expectative. Bien sûr, beaucoup sont intéressés, et j'ai amené ici quelques images pour l'assistance, nos idoles, les leaders comme Lumumba, comme Nkrumah, etc., sont arborés par ces jeunes. Mais c'est des jeunes qui connaissent très peu ces leaders-là, ont très peu lu leurs livres, ne comprennent pas exactement ce que signifie leur théorie, mais l'utilisent comme des emblèmes. Et les leaders qui sont actuellement au pouvoir, eux aussi vont utiliser ces emblèmes pour attirer ces jeunes. Donc pour nous, nous sommes, comme panafricains, dans une situation extrêmement complexe où déjà nous devons redéfinir c'est quoi le panafricanisme. Pour nous, le panafricanisme, c'est une idéologie révolutionnaire pour la libération de l'Afrique, mais dans une perspective internationaliste, c'est-à-dire en accord avec les autres peuples du monde,
pour que l'impérialisme ne perdure pas, pour que nous ayons une gestion responsable et écologique de notre développement. Mais pour cela, il faut qu'on explique aussi aux panafricains que le panafricanisme, ce n'est pas une théorie négrophile, ce n'est pas une théorie qui voudrait faire l'Afrique seulement de façon subsaharienne, ce n'est pas une théorie seulement de l'Afrique de la diaspora, c'est un tout. Et voilà un peu l'équation dans laquelle nous sommes. D'un côté, nous devons soutenir les pays de l'AES qui ont rompu avec le dispositif géostratégique, et de l'autre côté, il y a la tentation populiste, qui est une tentation mondiale, et la tentation des formes d'extrême droite qui agitent les milieux progressistes. Et c'est pour ça que je m'adresse principalement aux milieux progressistes, de s'armer de science, de s'armer de lucidité internationaliste, de découvrir la proximité des luttes et de réinventer le progressisme pour le XXIe siècle contre la guerre. Et nous avons des tests de cette guerre. Nous avons dans le génocide qui arrive actuellement en Palestine, comment l'horreur de la guerre peut arriver jusqu'à son paroxysme. Et ces conflits de basse intensité sont en général menés dans les périphéries de la mondialisation. C'est ce qui s'est passé au Congo dans l'indifférence générale où il y a eu plus de 6 millions de morts. Voilà pourquoi nous autres Africains, à chaque fois que nous avons l'occasion d'expliquer ces choses-là, nous essayons d'éviter de rentrer dans la rhétorique simple de conflits entre ethnies, etc. Bien sûr, il y a des dimensions entre éleveurs, entre sédentaires et éleveurs, entre ethnies parfois, etc. Mais ce sont des épiphénomènes par rapport aux grands enjeux. Les grands enjeux, c'est vraiment la question d'un continent immensément riche. Les terres qui sont là sont des terres rares, des terres où il y a beaucoup d'eau, malgré que c'était le désert, des terres où il y a beaucoup d'or, des terres où il y a de l'uranium, et donc les convoitises sont très très grandes. Et ces convoitises, que ce soit la rapacité et la voracité des industries chinoises, ou la revanche des pays occidentaux qui ont été chassés, dans tous ces cas-là, les Africains sont sommés de s'unir et aller plus que l'Union africaine pour construire une véritable alternative. Nous pensons que c'est possible, mais pour ça, il faut qu'on dépasse l'État-nation comprador et il faut que les Africains essayent de renégocier un rapport de partenariat utile avec ceux qui les ont colonisés. Et ça, c'est toutes les grandes questions qui fâchent, que ce soit la question du Sahara occidental et son indépendance, la rétrocession de Chagos, la disparition des bases militaires, qu'elles soient russes ou étrangères, pour qu'enfin nous ayons une véritable intégration. J'ai eu le plaisir tout à l'heure d'aller à Casa Africa. J'ai vu l'organisation de l'endroit et la qualité des services qui y sont offerts, mais on est très loin de la condition de l'Afrique. Nous méritons effectivement d'avoir des Casa Africa comme ça dans nos propres villes. Nous n'en avons pas chez nous-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous n'avons pas des installations de type Casa Africa dans nos capitales africaines. Mais ce sont les pays occidentaux qui se les organisent parce qu'évidemment, ils ont divisé, ils ont Casa Asia, Casa Latin America, etc. parce qu'ils ont le luxe de continuer sur la colonialité. Nous, nous devons dépasser ces colonialités et retrouver nos capacités de nous mettre ensemble. Mais pour ça, nous avons besoin de l'internationalisme. L'internationalisme, c'est une valeur fondamentale. En tout cas, nous, c'est à ça que nous adhérons comme panafricains, et je sais que vous êtes animés de cela, car c'est ce qui fait que vous avez pris la peine de venir m'écouter ce soir. Et je remercie une fois de plus Juan et tous les camarades de nous donner cette opportunité de partager ces connaissances avec vous. Je vous remercie. Je pense que je vais leur offrir les cartes. On peut les distribuer et je vais envoyer. Tu peux les faire passer. Et ouais. Voilà. Et voilà.
et je vais préparer un paquet pour Casa Africa plus important que ça. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. En fin, ha sido una gran conferencia. Muchas gracias. Merci beaucoup, Assis, por tu tema. Realmente ha sido una conferencia muy, muy intensa, yo creo, donde ha habido muchísimo contenido. Yo quisiera solamente quizás empezar. Realmente has dado esa solución en tus últimas palabras. Espero que me estarán traduciendo para que... Y bueno, dentro de esa geoestrategia del caos que te preocupaba y que estaba en el centro de tu exposición, realmente ¿hay algún hueco para una salida? Una salida, digamos, no quiero pecar de occidental en ese sentido, pero hablemos de una salida, un panafricanismo laico, un panafricanismo, porque claro, en todo esto que has hablado, que has hecho un magnífico recorrido histórico, para situarnos, porque como tú bien decías y hemos hablado en el día de hoy, es que realmente hay que comprender de dónde venimos y de dónde viene África. Hoy me preguntaron en una entrevista si es posible la democracia, una democracia como la nuestra en África. Yo le dije que bueno, que la nuestra democracia lamentablemente adolece de muchas cosas y no es muy modélica tampoco, pero que sí le dije que África ha experimentado a lo largo de toda su historia, que es un poco lo que nos ha contado Assis, muchísimas fórmulas políticas, prácticamente todas. Entonces, bueno, ¿es posible dentro de ese recorrido histórico y dentro de ese aprendizaje de África una salida más allá de la religión, más allá de ese tipo de conflictos que hemos hablado, de monoteísmo, con el que tú empezaste? Es decir, ¿podemos esperar, podemos tener cierta expectativa de una población africana que persiga una manera distinta de integrarse en el mundo? Es decir, de ofrecer desde su propia experiencia histórica tan enorme salidas menos conflictivas en lo ideológico, etcétera. Gracias. Oui, c'est une question existentielle philosophique. À mon avis, les Africains eux-mêmes doivent retrouver leur africanité. Parce que cette africanité, comme je te disais, si vous allez en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, par exemple, quand je fais... Qu'est-ce que ça veut dire quand je fais... Les Africains dans la salle. Ça veut dire quoi? Quand je fais comme ça. Oui. Il y a juste les Africains qui connaissent ça. Pourquoi? Parce que c'est un trait d'africanité. C'est une expression, une interjection qui peut signifier le mépris. Puis, j'aime pas ta chemise rayée, ça te va pas bien. Mais je peux le dire méchamment comme je peux le dire gentiment. C'est une façon de me moquer, mais ça peut être méprisant ou moqué. C'est un affect culturel. Malgré la déportation, tous les Africains des Amériques, partout, connaissent ça. En Asie, ils ne connaissent pas. Les Occidentaux, ils ne connaissent pas. C'est un des nombreux éléments de la culture africaine basé sur notre conception ontologique du monde, qui est que l'Africain n'a pas l'angoisse du lendemain. Il n'a pas peur du lendemain. Il ne va pas garder... Ouais, son grenier, il est prêt à le partager avec les autres. Il est prêt à partager avec les autres parce que demain est un autre jour. Parce que nous avons une croyance que ce qui est important, c'est la force vitale de l'individu. Et cette force vitale, c'est notre rapport que nous avons parce que nos ancêtres sont toujours là avec nous. Les esprits de nos ancêtres sont toujours là avec nous. Nous sommes en osmose avec l'environnement, c'est-à-dire qu'homme animiste, nous croyons que nous sommes un élément du vivant, mais pas le vivant, contrairement au système occidental,
qui veut maîtriser la nature, l'Africain est en symbiose avec la nature. Je parle de l'Africain ontologique, hein, pas de l'Africain qui a été défiguré. Et donc, quand je dis que les Africains doivent retrouver leur africanité, je dis, ce qui est important, c'est de comprendre cette africanité de la longue durée par des éléments que nous avons construits, des modes de régulation. Par exemple, la Maat, c'est une déesse africaine qui est la déesse de l'intégrité et de la justice sociale, qui a animé pendant plus de 3000 ans l'État égyptien, qui permettait l'égalité. La culture Ubuntu, c'est la culture qui explique qu'on n'est pas, je n'existe pas sans les autres. Aucun de vous n'existe sans les autres. C'est parce que nous sommes ensemble, solidaires, que nous pouvons exister. Ces éléments de l'ontologie, il faut les récupérer et en expliquant que une nouvelle culture dans laquelle l'humanité découvrirait l'Afrique, c'est lorsqu'on va comprendre qu'il y a des équivalents homéomorphes. C'est un mot bizarre que Panikkar a inventé pour expliquer qu'il y a d'autres conceptions des droits humains en Chine, en Perse, qui n'ont pas été réquisitionnés dans les droits humains occidentaux. Et donc, lorsque on va prendre en question les conceptions africaines du monde, les conceptions asiatiques du monde, le droit international, qui aujourd'hui doit être un droit transnational, va pouvoir incorporer ces éléments-là, y compris même la démocratie. Nous avons une façon de voir la démocratie qui est très différente de la démocratie électoraliste. En d'autres mots, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que lorsque l'Afrique va redécouvrir les modes de régulation, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais dans nos sociétés, le roi ne pouvait pas être despotique, parce que quand il était despotique, soit il devait se suicider, soit son peuple le quittait, soit son peuple trouvait des mercenaires pour le tuer. En tout cas, il y avait toutes sortes de mécanismes pour empêcher les dérives autoritaires d'un système, certes inégalitaire, mais qui fonctionnait. Et lorsqu'on étudie en anthropologie, c'est facile d'étudier les sociétés à État. On voyait comment la démocratie existe. Je donne un exemple. Dans le Burkina Faso, qui est un des pays, le Moro Naba, qui est l'empereur du Mogo, qui n'est pas l'empereur de ses sujets, tous les jours, il monte sur son cheval et il quitte. Et son peuple le supplie de rester un jour de plus. C'est une forme de démocratie, parce que si on le laisse partir, c'est fini. Et il y a différents modèles comme ça. Tout ce que j'essaie d'expliquer, ce n'est pas de regarder avec nostalgie, c'est de dire, nous avons des moyens démocratiques de fonctionner, de vivre ensemble, mais il faut intégrer ces équivalents homéomorphes dans nos façons de faire. Donc les Africains doivent redécouvrir leur africanité, mais le droit international, le système international doit incorporer d'autres conceptions non occidentales pour qu'on arrive à un monde universel, non pas l'universalisme occidental, mais un universalisme qui tient compte de la qualité et du raffinement des autres apports. À ce moment, c'est de dire, ce qui est important, c'est de voir et reconnaître les autres épistémés et avoir une sorte de justice mondiale sur les épistémés. Je ne parle pas des croyances. Les croyances, c'est quelque chose qui touche à l'affect des gens. C'est irrationnel. Je ne parle pas de ça. Je parle de d'autres valeurs. D'accord ? Je parle des valeurs qui peuvent démontrer la connaissance. La connaissance des plantes, par exemple. La connaissance du rapport à l'autre. Ce sont des choses qu'on peut incorporer pour arriver à une élévation de l'humanité. Et sur ce chapitre-là, les Africains ont une contribution à apporter qui ne leur est pas reconnue. Elle leur est reconnue seulement lorsque c'est la musique, par exemple. Or, une des explications de la force vitale, c'est de comprendre que nous sommes que rythme, que nos pulsions, les oscillations que vous avez dans l'eau, dans le sang, dans les synapses et le système électrique chez l'être humain, sont le produit d'ondes et d'oscillations rythmiques. Elles s'expriment par la musique, si je fais. C'est un rythme, mais il est déjà arrivé. Vous l'avez entendu, mais la chose qui est avant, qui l'a produit, elle aussi fait partie de la séquence. Donc il y a une portion invisible et il y a la portion visible. La portion invisible, c'est celle qui a permis que je le fasse. Ce que vous avez entendu, c'est le résultat. Donc les deux sont importantes. C'est une réponse juste pour t'expliquer que ce soit la démocratie ou le vivre ensemble, il est très important que nous soyons ouverts à la connaissance. Et la connaissance, comme je l'ai dit, pour moi, c'est quelque chose qui a commencé dans la modernité. Et la modernité, elle a commencé en Afrique. Mais elle n'est pas finie, elle est devant nous.
Aujourd'hui, pour les postmodernes, on pense qu'on a atteint. Mais la modernité, elle est déjà là. Je donne un exemple simple. Imaginez, les Égyptiens connaissaient l'étoile Sirius, qui est une étoile qui est la plus brillante du ciel, qui est plus grande que notre Soleil. Et elle est influencée dans sa trajectoire, une trajectoire elliptique comme ça, par une autre étoile, qui n'est pas une étoile, qui est une naine blanche, qui est à la limite de notre galaxie. Ils n'avaient même pas de jumelles. Pourtant, ils avaient fait le calcul exact d'un calendrier de plus de 1400 ans. Et comment ont-ils fait, si ce n'est pas que la connaissance? D'accord? Les prouesses architecturales qu'ils ont faites, que ces Africains-là ont faites, sont aujourd'hui inégalées. L'explication simple, c'est de dire « Ah, c'est des extraterrestres qui les ont faites. » Parce que nous, humains d'aujourd'hui, ne sommes pas capables de le faire. Pourquoi? Parce que nous avions cette humilité de la connaissance. L'humilité de la connaissance d'enseigner à un enfant le volume d'un œuf. Le calcul d'un volume d'un œuf à un enfant de 7 ans. Vous donnez ça aujourd'hui à un universitaire, il échoue, lamentablement. La plupart d'entre nous ne sont pas capables de le faire. Ça faisait partie de l'apprentissage de la connaissance. Mais à cette époque, les Africains ne voulaient pas séparer la connaissance de la croyance. Et pourquoi? Parce que l'imaginaire humain, pour revenir à cette question de la religion, l'imaginaire humain a besoin, lorsqu'il crée sa propre éthique, hein, comme l'a montré Nietzsche, le problème de l'humain, même quand il crée l'éthique, la morale, par exemple, je ne peux pas violer mon enfant, je ne peux pas faire l'amour à ma mère, etc., on crée des codes, on crée un système éthique. Et comme on n'a pas confiance en nous, on a besoin d'une puissance panoptique, quelque chose au-dessus de nous qui nous surveille, parce que cette éthique n'est pas humainement possible. Et donc, on a besoin d'un créateur qui guide. Donc, le dispositif religieux est une création humaine pour pouvoir créer le vivre ensemble avec des codes. Mais évidemment, ils sont dictés par ceux qui sont dans des rapports de pouvoir. Et ça, c'est difficile à expliquer. Et pour que ça fonctionne, le moteur, c'est la conviction, la foi et donc la croyance. Ce dont je vous parle, ce n'est pas de ça. Moi, je vous parle de la connaissance. C'est quand vous regardez de l'eau, quand vous le mettez sur le feu, comment cette eau évolue, jusqu'à 60 degrés, il ne se passe rien, et à partir de 60 degrés, il se passe quelque chose. Elle va finir par bouillir, et vous établissez que l'eau bout à 100 degrés. C'est un fait, mais c'est un fait contestable si vous changez d'altitude. Ça n'explique pas pourquoi des glaçons bout plus vite qu'une eau normale. Et ça fait partie des molécules de l'eau. Et ça, c'est de la connaissance. Ça prend des gens qui te l'expliquent. Or, les Africains, devant la feuille de l'arbre qui bouge, ils te disent c'est le vent, et c'est peut-être le dieu du vent. Mais il y en a d'autres qui savent que c'est autre chose. Alors, soit vous restez sur une image strictement animiste, soit vous poussez la connaissance. C'est-à-dire, quelle est la vertu de cette plante, où est-ce qu'elle pousse, quelles sont ses vertus médicinales, etc. etc. Alors, vamos a abrir un poco el debate, porque se nos está echando un poco el tiempo encima. Tenéis el momento de preguntar. Empezamos por este señor que está ahí. Buenas tardes y gracias por toda la información que no siempre llega a los países occidentales, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta para contraponer un poco esa idea de panafricanismo que estás hablando y todo lo que es la sociedad africana. ¿Cómo encaja el tema que está pasando ahora mismo con la economía criminal que se está desarrollando en todo el Sahel, el tráfico de drogas que pasa con mucha frecuencia por esa parte? Allá hay aeropuertos, barcos, etcétera, y hay una economía criminal del secuestro de y cómo tenemos por un lado el panafricanismo y por otro lado eso con lo que hay que establecer una lucha, ¿no? Porque está afectando a muchísimos países de la zona, ¿no? Eso cómo se conlleva. Oui, alors, si, j'ai compris. Bon, voilà, ici c'est un exemple très intéressant d'un problème transnational.
C'est un problème transnational. En réalité, vous avez un déplacement des réseaux de trafiquants d'Amérique latine et centrale qui ont été contrés dans leur dispositif et qui trouvent d'autres moyens d'atteindre l'Europe parce que les routes par Interpol sont fermées. Mais en même temps, comme je l'ai expliqué, ces réseaux dans le désert qui est très mal nommé parce que c'est un endroit très tumultueux où il y a beaucoup de migrations et de mouvements, va vivre des transactions commerciales qui existent depuis très longtemps et donc il y a des réseaux déjà organisés. Partout où vous avez des conflits, où il y a perspective de conflit, vous avez aussi des perspectives de découler des marchandises, y compris des marchandises dangereuses comme la drogue par exemple. Donc on a vu vers le golfe de Guinée commencer des réseaux qui vont aboutir dans la zone du Sahel et qui vont s'irradier vers l'Europe évidemment en raison des fermetures. Donc les réseaux de trafiquants, qu'ils soient des trafics humains ou des trafics de matières illicites, vont utiliser la porosité des États lorsque les États deviennent faibles, lorsque les zones de conflit arrivent. Quand vous avez des zones de conflit, vous avez donc des zones grises qui permettent la fluctuation. Donc pour nous autres, c'est clair que ça prend des États forts, mais ça prend aussi une politique continentale forte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Tant que nous avons des régimes compradors qui, en plus, participent, par exemple, sous Blaise Compaoré, ces gens-là faisaient partie des trafics, autant en diamants qu'en drogue, et participaient aussi au réseau de financement, parce que beaucoup de ces groupes militaires se financent à même la drogue, droguent leurs propres soldats, permettent aussi l'évacuation de matières premières. Donc, c'est souvent des réseaux avec des vases communicants. Le problème, c'est que ce n'est plus du droit international. C'est du droit transnational. Or, il n'y a pas de droit transnational. Ça fait partie des choses qu'une humanité du 21e siècle doit régler. Donc, c'est-à-dire que l'État-nation est complètement dépassé par les phénomènes de transnationalisation. Pas seulement du capital et la financiarisation, mais aussi des réseaux de drogue. Les mêmes réseaux vont permettre aujourd'hui des migrations d'Africains vers l'Amérique latine en utilisant les mêmes réseaux de passe. Donc, il y a une porosité de ces frontières. Mais il n'y a de drogue que parce qu'il y a une demande. Que ce soit pour les cocaïnes dans les pôles de prospérité américains, c'est la même chose en Europe. Si vous n'avez pas une demande, ces circuits-là ne peuvent pas fonctionner. Vous voyez, ils sont très forts, ils ont fait tomber votre appareil. Il y a une personne à l'étras qui vient parler ici. Bonsoir, Aziz. Tout premièrement, je vais vous remercier de votre exposition. Ça m'a beaucoup plu. Et nous avons besoin de ce genre de choses, nous les Africains, qui ne savons pas notre africanisme. Cela dit, vous avez parlé de panafricanisme international. Là où nous devons, bon, les pays africains doivent renégocier les accords avec l'Occident. Vous avez parlé aussi de l'universalité des droits de l'homme et les valeurs humaines. Moi, je pense, je voulais vous demander si dans le monde que nous vivons aujourd'hui, avec les genres et degrés de violence que nous vivons, comment on peut renégocier internationalement sans pour autant penser dans un monde sans violence, ni violence économique, ni violence raciale, ni violence politique, que ça existe aussi. Merci. Malheureusement, la violence, elle est inhérente au capitalisme. C'est un système intrinsèquement violent qui permet la circulation de la marchandise et tout ce qu'elle fait pour lubrifier ça, qui permet la circulation du capital, les deux étant faits et produits par le travail. Ce travail, en général, il est violent. Il est ou déshumanisé sous la forme de la machinerie, ou on va utiliser le cheap labor, donc on va faire travailler les gens le plus possible et le moins cher possible. La matrice du système est donc intrinsèquement violente.
Pour l'humaniser, comme je l'ai expliqué, les Africains qui viennent d'un autre dispositif, une autre conception du monde, ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus parce qu'il y a un racisme profond qui vient de la colonialité et qui ne nous reconnaît pas que comme un corps. Il nous reconnaît pas, en dehors de notre capacité de force productive. La violence contre les Africains, elle est telle qu'une mortalité africaine n'a pas de valeur. Dans l'échelle, vous avez les Africains, ensuite les Arabes. Donc, vous avez un mort blanc occidental, vous avez 10 morts africains, c'est à peu près le ratio. C'est juste pour dire que tant que ces systèmes-là vont perdurer, le rapport est inégal. Mais les Africains ont compris. Ça a coupé, hein. Nous connaissons ce problème-là. Malheureusement, comme je l'ai dit, le rapport de force est inégal. Dans les sociétés, les rapports pour changer l'ordre des choses sont en fait des conflits. Il faut que ceux qui sont dans une position subalterne, subordonnée, prennent conscience de leurs conditions. Et ça, c'est difficile. Pourquoi on consent à l'inacceptable? Pourquoi on accepte? Alors souvent, les systèmes religieux, les us et coutumes, la tradition vous font accepter le déterminisme. Mais dans les faits, tous les êtres humains, quand ils prennent conscience de leurs conditions, ils ont le choix maintenant de s'organiser ou pas. Lorsque les gens s'organisent et qu'ils s'organisent en masse, c'est ce qu'on appelle un pouvoir populaire, en fait, c'est comme empêcher la mer avec ses bras. Vous ne pouvez pas. Donc pour nous, nous pensons que plus une humanité est consciente, armée de science et de connaissances et d'humanité, c'est-à-dire de retrouver les valeurs humanistes, et plus il se dote de l'internationalisme, c'est-à-dire ce qui arrive là-bas, ça me touche aussi, à ce moment, oui, vous pouvez bouger les choses. Maintenant, tout ça dépend de comment on éduque les enfants. Parce que pour nos générations, nous sommes pour l'essentiel à l'automne de nos vies. Mais la question, c'est en fait comment la reproduction de l'identique va se faire? Comment nous éduquons nos enfants? Et c'est là que le dispositif, le secret est. Quand je donnais l'exemple de la société kémitique, si on avait mis une emphase sur le savoir basé sur les enfants. Donc moi, je fonde beaucoup, beaucoup d'espoir sur d'abord le fait que l'anthropocène, qui est en fait le capitalocène, c'est-à-dire notre mode de production et de consommation qui n'est plus viable, va obliger les jeunes à trouver une solution. Pour l'instant, la réponse capitaliste, c'est par la technologie. Donc c'est l'intelligence artificielle, le transhumanisme, c'est ça la réponse qui semble se profiler. C'est une impasse, ce n'est pas l'option. Je crois que l'option, c'est la redécouverte de nos humanités, de dépasser les racismes intrinsèques qui nous lient, y compris dans ceux qui, comme Fanon, sont complexés, et à ce moment, établir ce rapport de relecture du droit international, de créer un droit transnational, de dépasser l'État-nation, pour les intellectuels qui deviennent organiques, de comprendre qu'ils ne sont pas seulement l'avant-garde, mais ils doivent être l'arrière-garde, c'est-à-dire ceux qui sont enracinés dans leur société, pour comprendre la résilience des pauvres, la résilience des faibles, la résilience de la nature qui persiste. À ce moment, on s'en va vers quelque chose de qualitatif. Sinon, malheureusement, tout le reste, nous le voyons, c'est la guerre. C'est l'accélération de la violence. C'est la drogue, c'est la dépersonnalisation, la déshumanisation. Et vous le voyez dans les systèmes d'éducation qui sont privatisés, qui sont de plus en plus pris par la violence des oligopoles. Et il ne faut pas laisser le pouvoir des oligopoles mener nos vies. Malheureusement, si l'État-nation recule, les oligopoles, has to be number one, c'est-à-dire eux, c'est le profit. L'être humain n'a aucune valeur, que c'est pour le profit que ça existe. Donc malheureusement, ce rapport de force, il est violent. Il ne faut pas faire d'angélisme, de romantisme, c'est une lutte. C'est une lutte. L'humanité s'est sortie de sa condition. La période d'heures de travail dans le capitalisme était longue. Les gens ont lutté pour la ramener à 8 heures.
pour avoir des vacances, pour avoir des pensions de retraite, pour que les syndicats arrivent. Ça a été des luttes, ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, c'est la même chose. La décolonisation doit être parachevée par la lutte contre le néocolonialisme et la lutte pour l'avènement d'un État panafricain. Le jour où il y aura un État panafricain, les permis de séjour vont être de type nord-sud, c'est-à-dire que les pays du sud vont être dans une situation de prospérité où les populations vieillissantes du nord vont venir chercher des archipels. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez, ceux qui vivent bien, c'est souvent des personnes plus ou moins âgées qui vivent leur prospérité en Afrique. Mais ces gens-là sont de classe en dessous des classes moyennes européennes qui ne peuvent pas avoir ce statut-là. C'est elles qui vivent en Europe très très bien, mieux que les Africains. Mais si un État confédéral se mettait en place, les conditions de vie en Afrique seraient de loin supérieures. Nos terres sont moins contaminées au niveau de l'agriculture, l'écologie est encore plus préservée, les chances de mourir de cancer sont plus fines, et donc il est tout à fait possible qu'une autre mondialisation soit possible si l'Afrique sortait de sa condition. Mais pour ça, il faut que l'impérialisme recule. Alors, quelle est la solidarité qu'on va avoir des pays du Nord? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix du coltan à son prix réel? Tout le monde a un téléphone cellulaire. Tout le monde sait que ça vient de là. Mais quelle est la condition des Congolais? Est-ce qu'on va laisser les Congolais dans leur misère ou est-ce qu'on veut sortir les Congolais et leur permettre d'atteindre leur classe moyenne? Vous avez vu ce qu'a fait la Chine? La Chine, c'était un pays pauvre. Aujourd'hui, c'est un pays avec une classe moyenne importante. Si vous êtes allé en Chine, vous avez vu que l'Occident n'est plus en avance. La Chine a dévancé l'Occident. Mais ça, c'est parce qu'elle a pu maîtriser son accumulation et, c'est vrai, au prix de sacrifices parfois humains, arriver à repousser. Mais cette Chine-là, elle ne s'est pas fait par enchantement. Si on refaisait la même conférence, la Chine était au même niveau que toute l'Europe réunie au XIIIe siècle. Donc, c'était une puissance déjà. Les Européens se sont mis tous ensemble pour freiner le développement de la Chine. Et ce n'est que lorsque la Chine bat le Japon qu'elle va devenir la puissance au bout de 40-50 ans. Mais ça s'est fait sous nos yeux, on a été témoins de ça. C'est un miracle possible. Et l'Afrique peut faire mieux que la Chine. Et les Chinois eux-mêmes le savent, que si les Africains s'organisaient, on pourrait faire mieux. Mais malheureusement, les panafricains sont pour l'instant désorganisés, mais nous avançons. Bueno, vamos a ver, no sé si podríamos hacer una pregunta más. ¿Tú puedes tener des réponses plus concrètes? Oui, plus brève. Pour finir. Tu m'as dit qu'on avait una pregunta más y le pedí que sea más. Tu m'as dit qu'on avait la nuit, non? Para acabar ya. Mais les Africains, ils n'ont pas la montre, ils ont le temps. Ah oui, c'est ça, mais c'est un peu tard pour lui, Michel. Donc... Bonsoir. Merci beaucoup pour le partage et les informations que tu as pu passer. Et moi, je voudrais te faire revenir sur l'africanité. Quand tu parlais de qu'on oui. devait nous connaître nous-mêmes pour pouvoir avancer, je voudrais savoir quels objectifs pouvons-nous mettre en place pour y arriver sans autant attendre à l'Occident pour qu'il puisse travailler avec nous, mais en pensant par nous-mêmes et pour y arriver. Quel objectif, à moyen terme, pouvons-nous mettre en place pour y arriver? Oui, ben, il faut faire ce que les Occidentaux ont fait eux-mêmes quand ils ont voulu comprendre l'africanité. Quand les premiers anthropologues, les missionnaires, etc., sont venus et ne comprenaient pas, évidemment, eux étaient motivés pour des questions de curiosité et d'exploitation. Ils ont voulu comprendre scientifiquement comment ces gens-là arrivaient. Ils l'ont compris avec leur propre œillère. D'accord? Nos coutumes, nos valeurs, etc. Donc, c'est devenu l'anthropologie. Donc, les Africains doivent faire la même chose, mais cette fois-ci avec leur propre intérêt, c'est-à-dire de se comprendre eux-mêmes et sauver, parce qu'il y a une amnésie. Après l'invasion, après la défiguration, c'est un peu... De quoi tu te rappelles? Qu'est-ce qui reste chez toi qui est encore typiquement africain? Donc il y a un travail de reconstitution historique sur la durée, mais aussi sur les valeurs, les représentations, les cosmogonies, etc. Alors là, il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans une sorte de nostalgie romantique. On va aller chercher les choses qui sont utiles, les choses rétrogrades, on n'en a pas besoin. Par exemple, on n'a pas besoin de faire l'excision des femmes, on peut expliquer les étapes
pour une jeune femme de devenir une femme, lui montrer ça au niveau initiatique, etc., les étapes de compréhension du vivant, mais sans avoir besoin de la mutiler. Donc, il y a plusieurs façons d'aller recouvrer ces africanités et surtout de comprendre qu'est-ce que ces gens ont en commun, c'est-à-dire au-delà des langues, pourquoi les Africains ont des choses en commun. Et donc, les découvertes de ces ciments unificateurs sont les traits d'union qui vont permettre de comprendre les systèmes de parenté, par exemple, dans la société segmentaire, comment les lignages fonctionnent, dans la société de caste, comment la division de travail se faisait, pourquoi les us et coutumes se sont créés. Donc c'est important de comprendre ça, mais aussi de comprendre les réactions à la modernité, comment nous agissons devant la modernité, comment nous-mêmes nous avons créé des formes de modernité. Donc s'il y a une école de pensée comme ça, donc les chers Anta Diop, les Ivan Sertima, tous ces gens, si vous faites vos humanités, jusqu'aux humanités modernes, Fanon et les autres, Cabral, là vous construisez un panthéon d'africanité vers ce que je propose. Bueno, una última pregunta y va a responder tres teoristas, pero no va a fermar. Ya, esa última pregunta que estaba pedida, y por favor, se concreta para poder. Sí, le damos, le damos. Porque la gente tiene que cerrar aquí también el museo. Gracias, soy muy breve. En una de las respuestas que ha dado hace unos minutos, hablaba de lo importante que era la toma de conciencia. Y antes, durante la conferencia, ha hablado sobre el populismo. Yo tengo curiosidad por saber cómo en los países africanos se está produciendo, si eso es así, esa toma de conciencia de todo lo que está ocurriendo en los términos panafricanistas que usted plantea. Es decir, ¿hay ya cierta toma de conciencia, incluso aunque sea en algunos casos canalizada a través de ciertos movimientos populistas que la distorsionan? Por ejemplo, se me ocurre, cuando el pescado de las aguas senegalesas se ve esquilmado por grandes buques europeos o chinos, el pescador senegalés que tiene que acabar migrando por culpa, entre otras cosas, de ese fenómeno, ¿lo mira con cierta mirada anticolonialista, antiimperialista? ¿Se está produciendo ya esa toma de conciencia cuando se dan esos fenómenos tan graves? Y ligado a ello, y ya que nos han obsequiado con esta postal de líderes panafricanistas, nombres como el de Thomas Sankara en África, a nivel popular, no a nivel militante, a nivel popular, ¿siguen teniendo ese potencial movilizador? Muchas gracias. Donc la dernière partie, j'ai moins compris, c'est la capacité de mobilisation populaire. Oui, il a dit ici, il a comme Sankara, il sera encore la capacité de mobilisation. Oui. Les gens colombiens. Oui. Oui. Donc vous avez raison de rappeler la condition des pêcheurs sénégalais. Vous avez la façade halieutique. Quand j'étais enfant, les soninkés tapaient avec les branches de cocotier, et là vous aviez des vagues qui arrivaient, mais ces vagues n'étaient pas des vagues, c'était des dauphins. Et ils s'approchaient et les filets des pêcheurs prenaient les poissons, les dauphins prenaient les poissons, tout le monde était content. Mais après, vous avez eu les chaluts pélagiques, donc russes, mais aussi espagnols. Et les chaluts pélagiques raquent la plateforme continentale, et une partie d'ailleurs des campus de l'université de Dakar était fait dans des contrats avec l'Espagne pour la résidence en versement de la pêche. Tout le monde a profité de la pêche de la façade atlantique, et les petites pirogues, évidemment, ont été dépouillées, et ça amène le phénomène aussi de migration. Il est plus intéressant d'amener les populations qui migrent avec ces pirogues, puisqu'on ne peut plus amener de la pêche. Donc c'est un des paradoxes de cette situation. Et ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, hein, c'est jusqu'en Angola où on mange des conserves de poissons alors que c'était des zones très, très riches. Et donc c'est contre, en fait, cette accumulation par dépossession du capitalisme que les pays, en tout cas les régimes progressistes, essayent de lutter. Donc Sankara a essayé de faire ça, il a été freiné. C'est sûr que la tentation, c'est de dire « Ah, est-ce qu'on pourrait avoir un autre Sankara ?» etc. Personnellement, je suis contre la personnification du changement social. Je pense qu'au contraire,
c'est plutôt la conscience du groupe qui est vraiment la solution. Parce qu'il est facile d'amputer en tuant tout simplement le leader et freiner la révolution. La révolution, c'est un processus complexe où plusieurs personnes doivent se mettre. Bien sûr, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'avant-garde, mais il ne doit pas y avoir ce système pyramidal où on peut neutraliser le groupe. Et donc, on a une tendance toujours de chercher un messie, quelqu'un qui serait le symbole de la sortie de crise. Alors que moi, je préconise en fait des mouvements globaux de conscientisation sociale, de responsabilisation à la base, où des démocraties participatives amènent des pans plus grands de changement et à ce moment plus difficile à contrer. Parce que même si vous assassinez les leaders, le système continue. Donc, comme on le disait, on a tué un Sankara, ça a donné plusieurs Sankara, c'est une belle image, mais c'était vraiment un homme exceptionnel comme beaucoup de ses leaders. Mais je continue de croire que si on forme par l'éducation à ces valeurs, on pourrait avoir des gens comme ça massivement. Mais c'est la même chose ici. Il faut ouvrir les dispositifs éducatifs, ouvrir, et à ce moment, ces personnages exceptionnels seront plus nombreux et moins faciles à neutraliser. Mais la réponse populiste, c'est d'utiliser leur image et leur symbole pour accaparer le pouvoir. Et ça, malheureusement, c'est une tendance. Donc des gens vont se réclamer de ces images pour obtenir une grande mobilisation pour leurs propres fins. C'est malhonnête, mais ça fait partie de la stratégie. C'est juste pour expliquer que je continue de croire au potentiel humain et avec une emphase particulière pour moi, le point de bascule, il est dans le féminisme. C'est lorsque les féministes africaines vont prendre véritablement plus de pouvoir, renverser les pouvoirs phallocratiques et misogynes qui caractérisent la plupart de nos systèmes. C'est lorsque les femmes comprennent leurs conditions et repoussent et prennent le contrôle des mécanismes de décision. Je crois que c'est à ce moment que le point de bascule va se faire. Voilà pourquoi notre panafricanisme est résolument féministe. Alors, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de ta participation. Et bon, tenemos que terminar. Voilà. Gracias. Disfrutar otra tarde de aprendizaje y de compartir. Muchas gracias por todo.